Salut les amis, c'est Cal. On se retrouve pour la suite de. Ben, pour une nouvelle vidéo. Moi c'est la suite, hein. Bon, vous voyez bien, on est le 25 mars, il est 21h41. Ce sera d'ailleurs ma dernière saucée pour aujourd'hui, je pense, parce qu'après j'ai des choses personnelles à faire. Enfin, des choses personnelles à faire. Donc voilà. Annabelle? Pardon? Annabelle, c'est moi, Esther! Oh, non, vous devez faire erreur. Vous êtes sûre? Je m'appelle Elisabeth. On se connaît? Elisabeth, c'est un très joli prénom. C'est étrange. Je m'excuse, je bois. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je mourrais de soif. Donc, Dernier client, on ferme le parc! On ferme le parc, tout le monde! Okay. Ouais, vos chaussures mériteraient un bon coup de cirage. J'ai pas dû faire très attention. Voilà la pluie. Vaut mieux ça que la neige. Ah, pour ça, je suis d'accord. Oh, c'est interdit de fumer, la loi est 20, vous savez. Eh, faites attention, je viens de nettoyer. L'enculé, base quoi. Visit the First Lady Aerodrome. D'accord. This is a very dress. Je sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, worm. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être. Diriger ou. Vous faites aussi du chou? Du chou? Je suppose. J'en prendrai un, s'il vous plaît. Combien? Une pièce d'argent. Eh ben, très bien. Je vais aller par là. Sur 200, je sais pas trop. Ah, elle se pose sur chaque truc pour m'attendre. Ok. Bon, on va continuer par là, nous. C'est une vraie petite vie, hein. Il y a vraiment. C'est dingue, hein. Il y a des émotions qui transparaissent dans ce jeu. On se laisse porter par la. Par l'émotion, par. Par cette ambiance de tonnerre, ça faut le dire quoi. Je veux dire, c'est une ambiance du tonnerre quoi. Je veux dire, on peut pas dire que là ils ont fait une ambiance de merde quoi. Je veux dire, là vous avez une ambiance de malade mental dans ce jeu. Oh, désolé. Vous avez envie de vous arrêter à chaque bonhomme voir s'il va vous parler. Si... Jouer son fric parce que je pouvais te. Si vous êtes tellement pressé, passez donc devant. Vous avez entendu le bruit de l'horloge qui fait clac, clac. Incroyable, hein, quand même. Il faut aller là, je suppose. Deux billets pour monter sur le dirigeable, première dame. Ouais, une minute, l'ami. Oui, je l'ai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas trop le temps, l'ami. Bien, compris. Je vous rappelle dès que ce sera terminé. Ah, j'aime pas ça. Envoyez l'oiseau. On est prêt à commencer. Excusez-moi, vous pourriez m'aider? Bien sûr, monsieur. Désolé pour l'attente. Ah oh. Qu'est-ce que vous faites? Attrapez-la! Ne me touchez pas! Oh, foiré de sa mère. Oh putain! On charge! Les genoux à terre!
Oh putain, je suis mort. Oh, d'accord. C'est moi qui ai fait le con là, par contre. J'ai fait le con. Yo, yo, yo. Yo, yo. Montrez votre visage. Yo, yo. Je recharge. Ah, d'accord, ok, mais putain, putain, il va me tuer le mec. Oh putain, mais vas-y quoi. D'accord, ok. Oh putain, mais attendez, puis vous avez vu les thunes que je perds en plus. C'est un truc de malade. Alors là, mon gars, je vais te dire, t'es dans la merde. Là, mon gars, tu vas voir. Puis je vais faire ça, ça. C'est quoi ça? Et on va faire ça. Là, mon gars, t'es dans la merde. T'es où en Forax? Ok, c'est bon. Allez, on a plus qu'à faire le. Faites-moi sortir. Putain, ça. Laissez-moi tranquille. C'est avec le fusil à pompe que le mec il m'a dégommé. D'accord. Ça recommence là? Dégagez-le de sa couverture. Faut le déloger. C'est bon. On a perdu que deux fois. Ouais, je vous rappelle qu'on est en mode difficile, hein, quand même. On n'est pas en... Je vous le rappelle, hein, c'est tout. Oh putain, la main que j'ai, là. Oh, pistolet. Ah, j'ai plus assez, je vais prendre ça, j'ai plus de munitions là-dessus. C'est pas grave. Ok. Oh, le fusil à pompe est dévastateur, hein. Quoique j'ai bien envie de le prendre, le fusil à pompe. Ouais, je vais virer le petit flingue là. Voilà, je vais prendre le fusil à pompe. Non, mais par contre j'ai envie de prendre des munitions. D'accord. Vous n'avez pas des munitions là, putain? Est-ce que le flingue il déchire quand même le fusil à pompe? Vous avez eu ça? J'ai mis 3-4 coups et au revoir. Bon bah il n'y a plus rien les copains. Allez. Je pense que... Okay. C'est quoi ça? Oh, il y a des armes et tout. Fouiller le bureau. Ce qui est pas mal, c'est que...
pouvait, on peut, je sais pas si vous avez vu, mais on peut, on utilise l'espèce de comment ? Je récupère pas mal de vie là du coup. Quand il y a une machin qui se... D'accord. Une machin qui se... Une espèce de cassette là qui se met en route. Vous avez vu, je peux combattre et entendre la cassette. Et comment j'allais dire, on entend vraiment bien le son. Donc ça c'est vraiment bien. On entend le son. Donc là je suis parti avec mon flingue de malade mental. C'est vrai, faut dire ce qui est, c'est un flag de malade. Elle est où ? De malade. Je sais pas si vous voyez le bordel, mais... Oh, il est classe celui-là. Oh, c'est pas vrai. C'est un flingue de malade. Hein. Je sais pas trop où je vais du coup. Attends, j'ai vu un truc là. Voilà. J'essaie de prendre un max. Ah putain ! Ok. En infusion. Alors, hop, de bouclier ou de cristaux. Augmente la quantité de cristaux que vous pouvez transporter. Bouclier ou santé. Bon, on va faire la santé. Bon. Allez, hop. Voilà. Bien. On a augmenté encore notre... C'est pas mal, hein, parce que... encore une fois, en mode difficile, j'ai envie de dire... il faut qu'on ait de la santé du bouclier, quoi. C'est important. Dans le sens où... attends, je vais de l'autre côté. Dans le sens où... si on peut se prendre plus de coups, ça va, quoi. Ça va aller mieux pour nous, quoi. Ça va être un peu plus facile. Voilà. J'ai envie de dire. Ça va être un tout petit peu plus facile pour nous à gérer. Voilà, c'est bien là. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Ah, il y a de ces effets de putain, c'est vraiment bien fait, hein, les effets de lumière, enfin, c'est vraiment bien fait. La vache, c'est fouillé et tué violent. Non, merde, ce que j'ai fait, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, zut. Bon, c'est pas grave. Je voulais pas faire ça. Ok. Ah, c'est excellent, il y a beaucoup de choses à découvrir. Hein. À mesure que les mois et les années se transformaient en souvenirs, les membres du Congrès se sont tournés vers la vertu. Et par la grâce de la technologie des hommes et de l'argent de Washington, le Seigneur a imposé sa volonté sur Columbia et l'a fait s'élever bien au-dessus de la Sodome inférieure. D'accord. Non. Ah, je vais pas pister, je garde mon arme là. Oh, d'accord, ok. Allez. Ah. Putain, et vous avez vu, je suis passé devant l'heure, je l'ai pas vu, hein. 98. Ah, je sais qu'à 200, on a. Je crois qu'on a un succès, il me semble. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on doit avoir un succès à 200. On est à 198, donc ça ne saurait tarder, mes amis. Ne bouge surtout pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu le freeze là? Enfin, le micro freeze, allez là-bas. D'accord. Laissez-moi tranquille. Hey, reviens par là. Tu vas revenir là, oui. Attends, je sais pas si je suis en. Je sais pas si je suis en santé max. Oh là, je suis en santé max. Ok. Bon, elle doit être dans un des trucs là. Pas mal fait, hein, quand même. Très joli. Putain, 189 sur 200. Elles font exprès, hein, je crois.
font exprès pour faire durer le plaisir. Il me semble que j'en ai loupé aucun, hein, sur tout le jeu là que j'ai fait. Ben, il me semble, hein, je suis pas certain. J'ai déjà fouillé. Hop hop hop. Oh, c'est beau hein, quand même. Ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule. Ok. Qu'est-ce que ça fait? D'accord, ok. Bon, attends, jeune fille, j'arrive. D'accord, là, y'a rien. Rien. Bon. Du coup, y'a rien ici. Allez, actionne le levier. Vous les avez tués? Je n'arrive pas à y croire. Ils sont morts. Vous avez été sans pitié. Elisabeth, vous êtes un monstre. Mais non. Comment tu pensais que ça allait se finir? Quoi? Tu as vu le mal que ces gens se sont donnés pour te garder enfermé dans cette tour? Tu crois qu'ils vont te laisser partir comme ça? Pour eux, t'es un investissement. Et tu ne seras en sécurité qu'une fois parti loin d'ici. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi? Je sais pas. Mais c'est la dernière fois que je me laisse rouler dans la farine comme ça. Faites voir votre main. Mettez-moi. J'ai la main défoncée. Ce qui s'est passé là-bas, c'est... Ce n'est que le début, c'est ça? J'en sais rien. Là. Je suppose qu'il faut que je m'habitue. Vous savez, j'ai lu quelques livres qui parlaient de médecine. Je vais faire de mon mieux pour vous fournir un remède. Et en cas de blessure plus grave, je ferai en sorte de rester avec vous. Ouais, c'est gentil. Non. Non. Un truc là-bas, là. J'ai envie de dire, avec mon flingue là, si on vient m'emmerder, j'ai vite réglé la situation. 200 là, non? J'ai trouvé de l'argent. Attrapez! Ah, c'est ça. On va monter. Petit gunfight sympa, hein, quand même. Enfin, des gunfights sympas. Et c'est pas des petits, c'est des beaux gunfights. Okay. Bon, bah, là, c'est là que je dois aller, hein. Ça clignote comme un malade, j'ai envie de dire. Ça, c'est un peu dommage. Ils auraient dû, dans Deus Ex, vous aviez le choix de... Non. Vous aviez le choix de... De comment? De faire apparaître les trucs en surbrillance, comme ça. Vous voyez, regardez, ça clignote, là, comparé à là. Là, on le voit bien, hein, quand on arrive devant, il faut aller là. Hein. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage, voilà. Ça, c'est dommage. Ils auraient dû nous laisser le choix de pouvoir mettre... CZ ou pas. Et là, on n'a pas le choix, malheureusement. C'est comme ça, et pas autrement. Malheureusement. Malheureusement, parce que ça facilite le jeu. Une force phénoménale. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Encore un image aux États-Unis, l'aigle. C'est truc des États-Unis, ça. Comme un Gradius. Pas Gradius dans... Merde. Comment il s'appelait Parodius. Voilà, pardon. Parodius. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est... L'aigle avec la... Ouais, c'est... Et c'est pas un bon hommage, hein, c'est pas un joli hommage hein, qu'ils ont fait. C'est un hommage un peu foutage de gueule, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà. C'est... Si je pouvais trouver de vrais crochets, j'arriverais peut-être à ouvrir cette porte. J'ai vu des choses très intéressantes de l'autre côté.
serrure là. Ça a l'air assez facile. J'aime bien, il y a une serrure là. Voilà qui est fait. Oh putain, j'avais pas vu. Alors, ma bouclier, bien sûr. Je me sens déjà mieux. Et on fera... je crois que le prochain, on fera le troisième, parce que je vais prendre après trop de retard dans tous les autres, et ça va pas être bon. Qu'est-ce qui se passera si on nous trouve là? On dira qu'on s'est perdu en cherchant les toilettes. Et ça marche, ça? En général, non. Il y a carabine et tout, quoi. C'est un truc de malade. Chez les Comstock, les journées étaient simples. Le travail était dur, oui, mais simple. Essorer le linge, récurer le sol. Madame Comstock nous glissait même parfois une gentillesse. Ça aurait presque pu suffire à me faire croire que j'avais ma place dans leur monde. Mais Dieu a créé les ingénus pour être sûr de ne jamais s'ennuyer. Ok, donc là il va falloir revenir. Donc ça offre quand même une certaine replay value. Parce que vous voyez, là il me faut 5 crochetages impossibles. Il me faut 5 crochets pour avoir. Pour pouvoir crocheter en fait. Tout simplement. Ah, fouiller la caisse. Donc. Je prends des munitions carabines, mais ça me sert à rien. Je prends de l'argent, ça sert toujours. Mais plus on avance, et plus on pomme de pognon, hein, si on vend pomme. Voilà. Truc mécanique, là. Voilà. Okay. Attends, j'ai pas fini de... fouiller, moi. Prendre kit crochet. T'as 2 crochets. Là, j'en ai 3. Ok. Non, là, y a rien. Donc quoi, vous avez eu, hein, c'est... Le mémorial. Oh, c'est beau, ça. Bâti en 1903 par notre prophète. Qu'est-ce qu'un prophète a à voir avec un carnaval et des manèges? Sa fonction est de promouvoir le service national aux jeunes générations. Tu veux parler de l'armée ? Expliquer aux enfants les bases du devoir, ils sauront s'en souvenir même une fois adultes. C'est toi, ça ? Non. C'est excellent, hein, on a la réplique du, de où on est, en direct. Alors, on utilise ça. Parce que si on l'a jamais vu encore. Une ville dans les cieux. Aussi. Miracle de la grande scientifique. D'accord. Excellent. Excellent. Okay. Mais j'ai pas envie de lâcher mon fusil à pompe, parce que le fusil à pompe, il cartouche, mais à mort. J'ai envie de dire. Ok, et si je prends lui, je pourrais peut-être acheter des crochetages. Dégâts optimisés. Augmente les dégâts de la mitrailleuse. Oh merde. Oh bah je vais prendre ça du coup. 236$. Ok. Alors on va prendre ça aussi. Même si j'ai bu le truc, j'ai l'acheté. Donc du coup. Du coup, c'est bon ça. Tenez, de l'argent. Et où c'est qu'elle va chercher tout son fric là? C'est. Quand elle voit que j'ai plus de blé, elle m'envoie. Elle me donne du blé. Oula! Putain de merde. Oh, la porte est fermée. Comment va-t-on pouvoir rejoindre le dirigeable? Voyons si je peux ouvrir cette porte à la main.
putain, sérieux. Et c'est Rambo, hein, le mec, hein, s'il arrive à faire ça. Oh, cool. L'électroquartz, le meilleur des générateurs. Un genre d'électricité, sûrement l'idée d'un fou. On dirait que ça ne marche pas très bien. C'est quoi ça? Oh! Excellent, j'ai rechargé tous mes cristaux du coup. D'accord. Ah, c'est génial, l'ambiance elle est géniale. Putain, mais regardez-moi ça comment c'est beau là! Putain, on est au Montréal. Vous y voilà, la première dame. Il se dirige vers le quai. Et il nous emmènera à Paris? Ouais. Ne t'éloigne pas. Oui, monsieur DeWitt. Booker. Oh, très bien, Booker. Booker d'honneur. Vous voulez rejoindre la nacelle ou vous promener sur la jetée? On va se promener. Je suis sûr que nous trouverions des choses utiles par ici. Ah, bien sûr. Regarde, hop, t'as vu, il y a déjà ça. Le puissant. Ça passe vite, hein, quand même. Oh. Ah, c'est Songbird. Et voilà, le vrai patriote n'a rien à craindre du Songbird. Je suppose qu'on va devoir se le taper, celui-là, à un moment donné dans le jeu. Parce que vu que c'est assez récurrent, donc, La crème glacée de Columbia est une merveille culinaire. Goûtez-la donc. Je vais te faire goûter autre chose. Hey, j'ai travaillé dur pour ça. Il faut bien vous montrer Columbia. Chien. Si, y'a un problème là. Y'a un problème là. T'as un problème toi. Arrivé à Washington, peu de membres du Congrès partageaient mes visions pour Columbia. Mais la lourde tâche du prophète n'était pas de rendre les cyniques vertueux. Car qui suis-je, si ce n'est le miroir reflétant le visage de Dieu? Ok. Et où? Le problème là, c'est que je me fais quand même bien cartoucher. Pourquoi on vous a envoyé me chercher? Je suppose qu'on voulait faire ta connaissance. Sûrement pour apprendre à crocheter des serrures. Pourquoi vous? J'avais jamais entendu parler de cet endroit avant de venir. Je croyais qu'en bas, tout le monde connaissait Columbia. J'ai pas dû suffisamment suivre l'actualité. Pareil, mon frère. Oh, j'aurais peut-être pu éviter de voler la caisse là, et me prendre des trucs. Je sais pas si ça va avoir des répercussions sur le futur du jeu. Bon, enfin, on verra bien. Ça serait pas mal qu'il y ait une répercussion sur le futur du jeu, parce que ça voudrait dire qu'on aurait une replay value quand même intéressante, dans le sens où il faudrait pas voler, faudrait pas... En vrai, faudrait être sympa, quoi, faudrait être cool, quoi. Donc, pas comme j'ai fait, quoi.
encore les dépravés. Qui êtes-vous, monsieur DeWitt? Une sorte de... Je suis... travailleur indépendant. Voilà. J'ai travaillé pour l'agence Pinkerton. C'est pas le genre de truc à mettre sur un CV. Pinkerton. Ce n'est pas eux qu'on a appelés pour régler les grèves avec les ouvriers? Régler. Ouais, on peut dire ça comme ça. Je vais te faire une tête au carré, tu vas voir, ça va être vite fait. Je vais voir si je vais revenir de quand je copie. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a, quoi. Ça me fait penser un petit peu à... Bon, c'est sûr que c'est une vue SPF, une vue FPS. Et ça me fait penser à un petit jeu d'aventure, quand même. Je sais pas pourquoi. Alors, kit de soins. Ouais, on va en prendre un, quand même. Enfin, on est plein. Non, on n'est pas plein. Non. Là on est plein. Là on va en prendre. Voilà. Par contre, les, je ne sais pas comment ça fonctionne les sauvegardes. Le programme reprendra après une minute de prière silencieuse en hommage aux victimes de ces horreurs. Je sais pas comment fonctionnent les sauvegardes, mais... Alors, monsieur DeWitt, il y a une femme dans votre vie? Oui, mais... Elle est morte. Comment? Morte en couche. Oh. Vous avez un enfant? Non. Ah non, t'es malade, toi. Morte en couche, pas enfant. Vous allez par là, non? Qu'est-ce qu'il va me donner? Oh, je vais essayer de prendre ça, tiens, du coup. Allez, hop. Ah, d'accord. C'est pas mal, il y a un petit arbre de compétences, j'ai l'impression. On va pouvoir... Oh! Possession now turns machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. Ouais, ok. Ouais, les gens vont se suicider. Tenez, gardez ça. Je te remercie. D'accord. Ah, j'ai plus de fric à m'en redonner, donc du coup... Peut-être pas crever du coup. Bon, on va continuer par là, nous. Est-ce que par là il y avait quelque chose? Oh, le vertueux et le dépravé. Vous savez, n'oubliez pas les enfants, dites non au dépravé. Vous ne connaissez vraiment pas? Ça doit être un truc spécifique à Columbia. Oh, j'adorais ces histoires quand j'étais petite. Mais elles sont... Elles sont un peu dérangeantes, à vrai dire. Légèrement. Ok. Je vais pas faire des massacres au parc, quand même. Voilà, l'ambiance a radicalement changé, hein, quand même. On est plus dans une ambiance. C'est quoi ça? Ah. Quand j'étais petite, j'ai rêvé que je me tenais dans une pièce et que je regardais une fille qui était à la fois moi, mais sans être moi, qui elle-même regardait une autre fille qui était elle aussi moi, sans l'être. Ma mère a cru que c'était un cauchemar, mais moi, j'ai compris que c'était le début de ma carrière dans la physique. D'accord, ok. Si tu veux. Oh putain. Pas le vertueux, mais... Ah si, c'est vertueux, lui. Il est pas en forme, hein. On va
laisser les enfants profiter un peu du spectacle. Au moins, jusqu'à ce que le prophète nous en dise plus. Le prophète nous dira quoi faire. Je ne sais pas quoi dire aux garçons. Ils me posent tellement de questions et je ne sais pas quoi leur répondre. Ok. Vous avez vu, hein, y a de l'animation hein, quand même. Hein. Je sais pas s'il fallait là-bas. Bon, la prochaine sauvegarde, on se laisse les copains. Ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble. C'est infernal, je ne vois pas le temps passer comme dans Tomb Raider. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, je croyais qu'il y avait un truc. Donc c'est quand même bon, très très bon signe. Quand vous ne voulez pas passer le temps dans un jeu, que vous avez envie de continuer, c'est que c'est bon signe. C'est que ça sent très très bon. Donc c'est du lourd. Du lourd. Bon, là, j'ai rien. Okay. Ah, le Songbird! Voilà. C'est ma. Ok, c'est une espèce de peluche, apparemment. Et là, on a les. C'est con qu'ils ont pas fait les figurines comme dans. Qu'on a en vrai, quoi. Voilà, ça. Je vais pas regarder, mais à mon avis, elle doit y être. Songbird, etc. Hop, on va tourner en même temps. Un à y faire. Ok, bon allez, je sors de là. Je suis où là? D'accord, ok, merci. Il n'y a rien ici, hein. Dans les poubelles, il n'y a rien ici. Ah, c'est un cube. Bon, allez. Dans le coin, okay. J'ai pas envie de savoir. Voilà, donc on va arriver dans l'aérodrome. Ce qu'on nous a demandé d'aller, mais putain, mais c'est infernal. Yeah. C'est énorme, comment c'est grand! C'est infernal, comment c'est grand! Putain. Bon, le mec se balade avec un fusil à pompe, tout va bien, hein, tout se passe bien, j'ai envie de dire. Je sais pas, demain vous croisez un mec qui se balade avec un fusil à pompe, je pense pas que. Enfin, ça va vous faire un peu drôle, quoi. Mon perso, ça me ferait drôle. Bon, on y va là. On doit faire venir la nacelle si on veut rejoindre ce dirigeable. Ah, bon, je crois que ce sont les commandes qui la dirigent. Non, sans blague. Ça ne bougera pas si on n'a pas d'électro-quartz. Bien entendu. Et où on va trouver ça exactement? Regardez! Découvrez l'avenir de l'énergie dans l'antre des héros. Ah, ben voilà qui tombe à pic. Messieurs, le faux berger rôde dans les rues de notre belle cité. Aurez-vous la honte de voir vos femmes et vos filles tomber sous le charme de ces mensonges? Ou agirez-vous? Agissez pour vos femmes! Agissez pour vos filles, agissez pour votre prophète. Et ben voilà les amis, j'ai vu qu'il y a une sauvegarde, donc nous on va se laisser là. Je pense que on a bien avancé les copains. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et puis ben la prochaine, on va se taper le. Comment dire? Le truc là qu'on doit faire. Oh, un peu fatigué. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis je vous dis à dans une journée ou deux pour la suite du Let's Play. Bye bye les copains.